Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, que nous annonce ce mois de mai? Découvrons-le tout de suite. Aujourd'hui à midi, ne loupez pas notre heure de prière et de louange pour la France et Israël, en présentiel et en direct sur la chaîne YouTube de l'Église. À tous les intercesseurs, ne loupez pas notre prochaine réunion d'intercession le jeudi 6 mai à 19h avec le pasteur Jean-Pierre sur la chaîne YouTube de l'Église. Le vendredi 14 mai à 20h, ne loupez pas notre émission spéciale sur Shavuot. Ce sera sur la chaîne YouTube RKB Ministries avec la participation exclusive de Paul Wilber. Est-ce que vous aimez adorer notre Seigneur? Alors on vous donne rendez-vous le dimanche 16 mai à midi en présentiel et en direct sur la chaîne YouTube de l'Église pour La Fontaine. Le jeudi 20 mai à 19h, ne loupez pas le deuxième épisode de l'enquête du pasteur sur la chaîne YouTube de l'Église avec le pasteur Jean-Pierre. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, il est disponible sur la chaîne YouTube. Mesdames, le vendredi 21 mai à partir de 18h sur Zoom, rendez-vous pour une soirée entre femmes conviviale et interactive. Retrouvez le lien de connexion dans la e-news ou contactez le pasteur Catherine à l'adresse catherine@lebonberger.net. À tous les adolescents, rendez-vous le dimanche 23 mai à 15h pour JBB 2.0. Pour plus d'informations, contactez Femi ou Lydie au numéro qui s'affiche. Le vendredi 28 mai à 19h, on vous donne rendez-vous pour Synergie autour du thème L'apôtre sur la chaîne YouTube de l'Église. À tous les parents, le ministère aux enfants vous donne rendez-vous le dimanche 30 mai après le culte pour une réunion sur Zoom. Pour retrouver le lien de connexion, regardez dans la e-news. À tous les guerriers de prière, on vous donne rendez-vous tous les samedis à 19h sur Zoom pour une heure de prière pour le culte du lendemain. Pour retrouver le lien de connexion, regardez dans la e-news ou rentrez directement le numéro de réunion qui s'affiche à l'écran. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez recevoir l'e-news de l'église du Mont-Berger, n'hésitez pas à contacter Catherine à l'adresse qui s'affiche. Et bien sûr, on reste en contact sur les réseaux sociaux de l'église. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.